Après, bon, voilà. Je sais que, ouais. Pour moi, ça va être. Enfin. C'est même pas pour moi, ça va être compliqué, mais je sais que pour moi, c'est mort, tu vois. Percé, tout ça, nanani. Je sais que pour moi, c'est mort. Ça Mais maintenant, trouver ce qui y est. Là, je t'arrive. regarde le game, c'est mort, en fait. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Je comprends pourquoi ma chaîne YouTube, elle décolle pas. Pourquoi. Pourquoi, en fait. Je comprends. Bienvenue C'est parce qu'en dans le fait, marché ou de la ce rue. que je fais, c'est pas ça que les gens ils veulent voir. Ils veulent rigoler, se divertir, voilà, que tu fasses le con. Mais en fait, je suis trop vieux pour faire le con, en fait. Trop, trop, trop vieux pour faire le con. Tête d'homme. Après, voilà, hein. C'est relou. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, il y a faire le con et faire le con, c'est-à-dire. Il y a faire le con et faire le con, on est avec des gens en réel, on rigole, on veut. Voilà, ok. Mais je vais pas aller faire une vidéo exprès pour faire le con pour le mettre sur internet. Tu vois ce que je veux dire? Genre en live, ouais, je parle le con, je peux rigoler, je peux nanani, je peux nanana. On peut dire beaucoup de conneries. Regarde tout à l'heure avec mon frère. On peut en dire des conneries, tu vois. Mais je vais pas aller faire une vidéo exprès pour aller faire le con. Genre tu vas te filmer, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir, tu vas te filmer pour aller faire le con. Je trouve ça moyen, tu vois. Moi, je trouve ça moyen. On peut faire le con, on peut rigoler, on peut faire plein de choses. Mais je pense qu'il y a un moment, en fait, où si tu te poses chez toi, tu réfléchis à comment tu vas faire le con pour pouvoir amuser les gens. Ah ouais, là, franchement, alors, je parle pas de toi, évidemment, tu vois. Mais je parle des gens qui sont comme ça. Tu te poses chez toi, tu réfléchis à comment tu vas faire le con pour amuser les gens. Bah, si t'es pas comique, en fait, pourquoi? Quelle est cette recherche? Pour du buzz? Pour qu'on te voit? D'accord. Exceptionnel. Mais j'ai plus Mais si, de et alors, les principes oiseaux que ça, qui en se font fait. des mouettes. Moi, il y a une nuance, en fait, avec tout ça. C'est que Dis-moi, une colle de mouette, faire le con, ça délirer, etc., nanani, y a pas de problème. Je suis le premier à faire le con quand je suis avec des gens ou quand je parle. Par contre, ouais, non, ça non. Ça non. Réfléchir à comment je vais passer pour un bouffon. Ouais, non, 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 c'est bon. Là. Non, c'est bon. Ça va. Ça va, ça va. Je pense qu'à 30 piges, j'ai autre chose à penser que. Après, attention, moi je parle de ça, je parle d'eux. Mais en même temps, eux et moi, on touche pas la même chose qu'on fait des vidéos. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà. On touche pas la même chose. Donc en même temps. Est-ce que mon avis, par là. il compte vraiment? Je sais pas. J'ai mon avis. Bonjour. Mais c'est comme un trou du cul, tout le monde en a Bien un. sûr qu'il Yes, pas de soucis, Gonono. Yes, sir. Débat. Ah, le jeu, il est magnifique, hein. Vraiment, c'est incroyable. Ah, parce que toi, tu l'as fini, toi, en plus. Mais Jack, le... J'ai... Si, si. Non, mais vraiment, le jeu, il est magnifique. Après, bon, je ne suis pas responsable, monsieur. Non, non, non. Non, non, non. Je ne tiens point à être responsable de tout ceci. Franchement, je trouve. Vraiment, mais moi, après, le ciel, il est tellement photoréaliste. Franchement, incroyable. Ah, les Français, ils sont très forts. Ils sont très, très forts. Là, ils ont vraiment fait un tour de force. Après, eux, c'est au niveau gameplay où ça, tu vois, où ça colle pas, tu vois. Le gameplay, il est pas mauvais, mais il est pas non plus très, très, tu vois. Mais il est pas mauvais, le gameplay. Hein. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'améliorations, tout ça, nanani. Porte des marchandises à l'intérieur. Mais en fait, elle veut pas courir. Ah ouais, ça va me rendre fou, ça. Je pense que eux, là, c'est-à-dire. Fallen Order, la fin, elle est pas mal, hein. Moi, je parle à la fin du jeu, moi, déjà. Ouais, bah, il l'a annoncé. Demain, pendant les Game Awards, il y aura une démo. Bonjour à vous. Enfin, il y aura Bonjour. sûrement de nouvelles J'ai images. entendu De toute parler. façon, demain, je vais couvrir l'événement, donc Alors. voilà, quoi. Les Bah, rêves du premier franchement, monde de God l'art of n'ont pas War, de nom. parce que je me suis pas encore décidé pour mon jeu de l'année, bah, il va falloir que je fasse la vidéo demain et que je vous la balance vite. Parce qu'en fait, God of War, du coup, je trouve que. C'est pas qu'il mérite pas le jeu de l'année, hein. Mais un jeu de l'année, c'est censé être un jeu où tu te dis, waouh, ouais, c'est une dinguerie, ils ont fait ci, ils ont fait ça, waouh, nouvelle expérience, tout ça, tu vois. Et Elden Ring, à ce niveau-là,
Même si le scénar, il est pas. Voilà. Scénar pas ouf, graphiquement, il fait pas le poids par rapport à God of War, c'est sûr, tu vois. Mais moi, en fait, moi, ce que je saluerais, c'est surtout l'innovation, l'inventivité. Et là où c'est fort, c'est que God of War, ou alors vraiment, si on veut vraiment, vraiment, vraiment être impartial, c'est Stray qui devrait gagner les Game Awards. Voilà. Parce que le scénar, il est sympathique. L'ambiance, elle est ouf. Je trouve que le gameplay est vraiment plaisant en particulier. Tu vois? Bah moi en fait je m'attends bah, moi en fait moi je m'attendais à ça mais pas aussi beau en fait et j'ai pris une vraie claque même en termes d'amélioration de gameplay tout ça ils ont vraiment été plus loin mais plus loin ça veut pas dire c'est bien pour tout tu vois et je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas allés assez loin genre le corps à corps n'a aucun sens voilà. Moi, franchement, si je devais être impartial, le jeu de l'année, c'est Stray. Voilà. Si je suis impartial, hein, vraiment, le jeu de l'année, c'est Stray. Parce que c'est celui qui m'a le moins déçu dans la découverte. Moi, c'est Stray ou Elden Ring. Tu vois ce que je veux dire? Moi, voilà. Parce que Horizon, il m'a pas transcendé. La preuve, j'aime pas été jusqu'au bout. Encore? Ouais, mais bon, c'est parce qu'il y a eu Elden Ring entre temps. Mais tu vois, un jeu quand il te marque, gros, tu reviens dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ou quand vraiment t'es piqué, tu reviens dessus. Donc moi, pour moi, le jeu de l'année en étant impartial, vraiment, si je devrais pas réfléchir au sentiment que je pourrais ressentir pour le jeu, tu vois, gros, c'est Stray ou Elden Ring. Voilà, Stray ou Elden Ring, parce que je trouve que vraiment, ils ont vraiment apporté quelque chose. Dans l'univers du gaming, tu vois. Ouh. Toi, enfin, toi, tu dirais Plectel, Didi, pour le jeu de l'année? Franchement, il mérite, hein, sauf pour le gameplay. Il mérite, sauf pour le gameplay. Il y a que ça, vraiment, je me dis, un gameplay par rapport à Stray, tu vois. Voilà. C'est juste ça, en fait. Et Stray, c'est pas mon jeu préféré, mais en termes de surprise et d'innovation et de ce que ça apporte, Elden Ring ou Stray. En vrai, et pourquoi faire un jeu genre Louis XIV, c'est genre comme Assassin's Creed, mais avec les rois de France, tu vois. Ah ouais. Je suis mort. Moi, par contre, voilà ce que. Ce que moi j'aime bien dans ce jeu-là, par contre, c'est l'immersion. L'immersion, les personnages, la relation qu'ils ont entre eux. Ça, par contre, ça, c'est une surprise de ouf. Parce que ça a été encore beaucoup plus creusé que dans le premier opus, en fait. Donc, c'est vrai que, ouais, franchement. Ouh. Ouais, un peu vite fait. Non, on parlait un peu de genre jeu de l'année, tout ça, nanani. Et on se demandait avec le frérot, parce que du coup j'ai pas encore fait ma vidéo, tout ça, mais si je devais nommer ça, attends, déjà, ça vaut quoi expérience? Ça dit quoi frérot? Comment ça va? Comment tu te portes frérot? Moi je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. God of War, jeu de l'année, ça serait trop facile. Moi pour moi, s'ils mettent vraiment God of War, je serais déçu. En fait, le truc c'est quoi? C'est que moi je mettrais qui en jeu de l'année? En fait, là, si je fais la rétrospective des jeux. God of War, c'est pas une surprise en fait. C'est pas une surprise. Il y a rien qui m'a. En fait, je me suis dit, c'est lourd. Mais c'est pas surprenant en fait, tu vois. J'ai eu plus de surprises avec Plague Tale ou Stray, tu vois. Moi, je mettrais soit Elden Ring ou soit Stray. Parce qu'ils ont vraiment apporté un changement dans la vision de voir les choses. Dans la vision de jouer à certains types de jeux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, un jeu d'aventure avec un chat, bah, ça te permet d'aborder en fait une autre vision. Une autre vision et un autre gameplay. Le scénario n'est pas non plus à jeter à la poubelle. Après, voilà. Je trouve que pour sa durée de vie, etc., on peut en reparler, tout ça, tu vois. On peut en reparler, mais Stray, le jeu est lourd. Le jeu est lourd. Et moi, les gens qui me disent, ouais, le jeu, il est pas lourd, bah d'accord, mais en fait, tu t'attendais à quoi? C'est un jeu avec un chat, c'est un jeu d'aventure. Il permet quand même de
Et c'est surtout, genre, comment dire, c'est l'environnement. T'abordes pas l'environnement de la même façon. Parce qu'en fait, quand t'es un PNJ humain et quand t'es un animal, t'es un chat, par exemple, t'abordes pas, en fait, les jeux de la même façon, tu vois. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait. Il va mourir bêtement, lui. Il va mourir. T'aimes pas Stray? Et cours, Taras. Après le délire, c'est que God of War, en fait, regarde, God of War. Attention, hein. J'ai kiffé le jeu. Hein. Attention, hein. J'ai kiffé le jeu. Vraiment. Mais si on le met. Parce qu'en fait, pour moi, Xenoblade, le pauvre, c'est que comme j'ai pas joué au jeu et j'ai jamais fait un Xenoblade, bah franchement, il part pas d'une bonne. Voilà, et puis je connais un peu la mécanique. Même s'il y a certains bons. Enfin, bonnes choses, mais il n'y a rien de surprenant, c'est pareil en fait. Si on prend Stray, A Plague Tale, God of War, Horizon, avec mon petit meuble Game Over. Voilà, petit Game Over. J'adore mon petit meuble. Voilà, petit meuble Game Over, regardez-le. Voilà, il est là, il vole en plus. Ouh. Voilà. C'est ridicule ce que je viens de faire. Non, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire ça. ouais. Ouais. Mais je t'ai même pas dit. J'ai un torticolis, frère. Bah. Seigneur. Seigneur Marie Groseille. J'ai un torticolis, frère. Ou un tortipo époli. Ou une tortellini bolognaise. Ou je sais pas ce que c'est là. Bah. Comment je souffre. Comment je suis en souffrance. Je suis en souffrance. Je bois jamais de café. Mais là, je sais pourquoi j'avais envie. Peut-être parce que j'ai froid. J'ai pas mis assez de sucre, frère. Parce que le café comme ça là, j'aime bien, hein, mais j'aime bien quand il est sucré aussi. Voilà. Peut-être qu'il est un peu trop sucré. Je pense que là, j'ai un peu abusé. Je pense que j'ai un peu abusé. Allez hop, c'est parti. Parce que c'est la vie. C'est le game. Allez, allons-y. J'ai pas de soucis, hein. Retour après le café, wesh. Normalus. Le team mug. Bon, voilà quoi. Non, c'est bon, le son et tout, c'est bien. Ok. Bim, bam, boum. Voilà, c'est réglé. Mais bon, voilà quoi. Enfin, concernant les jeux de l'année, je m'attends vraiment à. Je pense que ce sera God of War, sûrement. Je pense qu'il sera élu, sûrement. Mais je trouve que c'est pas mérité. Pas assez. C'est mérité, oui, d'accord, mais je trouve que. Un jeu comme Stray, tu vois. On devrait pousser ce genre de jeu-là, tu vois. Comme ils ont fait pour It Takes Two l'an dernier. Regarde. Non, mais attends, mais là, je vais me perdre à chaque fois. Petit ASMR, buvage de café. Dans mon game over. À la vôtre, les amis. Et ouais. Allez, ouvre-moi ça, Loulou. Voilà. En fait, le problème, c'est que pour une fois, cette année, je suis d'accord avec tous les jeux. En fait. Mais si je dois choisir, il faut récompenser, en fait. Les initiatives et l'inventivité. Si tu prends ça, ben. Ah ouais? Okay. Ah oui, là, c'est vraiment. Non, me dis pas qu'il va la faire. Ah ouais. Moi, je trouve ça un peu stupide, là, non? Ok. Ah là là. Game over. Game over. Game over. Game over. 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 Là, froid. Génial. Merci TikTok. La vie est belle. I'm gonna be homophobic. My bitch is gay. Ok. Ah, ça goume là. Ah zut, mais non! Oh là là. Hop, 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 hop. Bim, bam, boum. Voilà. Donc là, on est à leur table, hein, c'est ça normalement. Invité. Ouais, mais là, je pense que dedans, il va y avoir une dinguerie. Hein. Moi, je pense que ça va être un champ de bataille ici, ça va être terrible. Ça va être terrible. Moi, je pense qu'on sait qui t'es, frérot. Hein. Moi, je pense Inès, qu'on sait comme qui une tu chambre es. pour deux, je Bah, pense. le jeu, il est beau. Hein. Oui, ne sont-ils pas Franchement, jolis? sur ça, Vous êtes bien y a pas jaloux à pour un si parler. long Hein. périple. Je suis sûr qu'elle parle de l'oiseau, là. Je suis sûr qu'elle parle de l'oiseau. J'en suis sûr. Oui, Loulou. Cher pape, Allez, c'est Hugo. votre secret. Il faut tenir ta langue.
Sinon, nous allons la couper. Oh, très Elle jolie sera phrase. enfin peut-être absolument Exactement. vraie. Ça, c'est totalement vrai. Vas-y, Sam. J'aurais pas dit mieux. Non, le jeu, il est trop beau. Non, le jeu, il est trop beau. C'est beaucoup. Oui! Ah, ça me fait rire parce qu'en vrai c'est tellement innocent en vrai tout ça que voilà c'est beau en fait en vrai c'est beau l'innocence Ouais. dommage que la synchro labiale a pas été faite avec la version française hein, parce que ça aurait été encore plus lourd ça aurait été encore plus lourd on va fouiller un peu hein, un peu de loot hein, vous savez très bien non, franchement le jeu il est archi beau quand même bon oui il y a du popping de texture tout ça machin il y a des trucs qui pop il y a des trucs qui C'est vrai. Mais franchement, le jeu est beau. Franchement, le jeu est beau. L'histoire, ce que ça raconte, tout ça, j'adore. Vraiment, je trouve que... Waouh. Rien que là, comme ça, on a un panorama. Ah, je kiffe de... Vraiment, incroyable. C'est même deux Je compte sur croyables. toi. On Un dirait affreux. c'était à En fait, c'est bête, mais c'est tellement crédible comme relation avec un petit, parce que je sais pas, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont des petits frères, des petites sœurs. Eh, franchement, moi je reconnais un peu ce genre de relation-là, vraiment. Je trouve que c'est vraiment très bien fait cette relation frère-sœur. Et puis elle est tellement profonde aussi que finalement ça apporte vraiment une autre façon de voir le jeu. Parce que soit on joue vite fait comme un jeu d'action et on s'en fout. L'endroit est réservé. Et Désolé. on s'en fout de Personnel pour la l'histoire. maison pourrait m'y Ah ouais. faire. Oh non, trop bien. Trop bien. Trop bien. Moi, je crois qu'ici, ça va être un lieu de guerre. Hein. C'est trop beau pour qu'il se passe rien. Hein. Moi, je pense que là, arriver là, ça va être une dinguerie. Hein. On n'appuie pas. Voilà, parce que. Mais les panoramas du Oui. jeu, franchement, ils sont incroyables. Dis-moi tout, Toto. Qu'est-ce qu'il y Je a, me suis Toto? promené un peu sans On va même aller la faire un voir. petit tour dans la ville, là. Maison en bas, là. Tiens, tiens, comme c'est Celui que t'avais en bizarre. rêve, Ce même qu'on vienne par-là. ici. En fait, là, je suis en train de me dire, ça se trouve que je vais à l'autre bout de la map pour rien du tout. Merci beaucoup, Simfo. Oh, c'est toi de moi. J'espère que tu vas C'est moi. bien. J'espère que tu vas bien. J'espère C'est quoi que ça? t'as passé une C'est bonne journée ou que étrange. tu passes une bonne journée. Et donc là, c'est l'endroit le plus loin. Genre, je peux pas aller plus loin, là, c'est ça? Parce que le droit devant, c'est pas trop mon truc. Libéwayo. Pardon. Pour ceux qui sont fans de Kalash, hein. Parce qu'avant d'aller faire le plan d'intérêt, j'ai bien envie de fouiller, genre. C'est quoi les bails? On pourrait Ah. trouver. C'est marrant parce qu'il faut qu'elle donne le bon exemple. En même temps, tour de garde ici. Où est l'os Voilà. qu'il contient? On repart, les amis. Gros coffre trouvé. Petits objets trouvés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer des. Allez, viens, petit. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, on n'est pas en danger. Donc, on a le temps de fouiller, en fait, pas mal de choses. Marcher, là. Ouais, mais ce panorama-là, là. Me dites pas que Précieux. là, c'était pas un Je ne truc de pensais pas ouf qu'on quand soit même. si haut. Merde. C'est un truc de ouf le panorama du jeu. Elle est tellement Ils ont l'air de gentille. s'aimer tellement. C'est Ça gênant. se sent Mais il est que en trop vrai, vieux. c'est tellement pas vrai. On a besoin. Ah oui, on va profiter pour looter quand même. Parce qu'il doit y avoir plein d'objets, plein de trucs. Y a pas une touche genre pour. Ok. On y va. On aurait dû viser la porte peut-être. Ah, moi je veux ce qu'il y a dedans, moi. Comment on fait pour le prendre? Comment on fait pour le prendre? Pas comme ça. Faux. Tout de suite. Exactement. On ne naît pas, on le devient. On est juste être humain. Après, tout ce qu'on décide après, c'est qu'on le devient. Nous ne sommes pas comme ça. Des outils, des outils. C'est carré. Ça, pourquoi j'ai cassé? Qu'on peut Bon, faire? ça fait longtemps que j'ai pas amélioré. Alors, alchimie. Alors, Amici améliore les munitions alchimiques qui lui permettent de tuer des ennemis en lançant une jarre associée à l'ignifère. Ok. Attirail, c'est quoi? Ajouter un étui à sa ceinture permet à Messia de porter des couteaux et des pierres supplémentaires. D'accord. Petit de rescrit permet de casser une jarre. De casser les jarres, les couteaux et les carreaux en pièces. Je veux ça. C'est bien Encore ça va. Ok, c'est l'arbalète. Parce que l'arbalète, j'ai peu. Enfin, il n'y a pas assez de carreaux dessus, en vérité. Alors ensuite. Oui, ça pop, hein, les textures. Ça pop, c'est vrai, ça pop. MDR. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est ça qui est bon. Genre, il y a une mission avec les trois moulins, genre. Genre, en mode. Il y a un trophée avec les trois moulins, je suis sûr. Il y a des mécaniques de gameplay qui sont bien utilisées quand même hein, dans ce jeu-là.
Oh, c'est vraiment bien, je trouve. Merci, monsieur. C'est les 3 kilos. Merci. Ça fait quoi si on arrête les 3 en fait? Ça se trouve, ça sert à rien du tout ce que je fais là. De toute façon, les 3 est tourné, ça n'a rien passé. Donc, si j'arrête les 3, je suis fait chier pour rien. Ah, il y en a un quatrième. Peut-être que dans le quatrième, il va se passer quelque chose. Peut-être. On va aller voir ça. Donc, à part la porte d'entrée, il n'y a aucun moyen. Donc, celui-là, à mon avis, c'était le premier où il fallait aller, à mon avis. Et ça sert à quoi d'arrêter tous les moulins? Ah, rien. Ok, on a perdu du temps pour rien. Le tour. En fait, sans savoir, j'étais presque dans la bonne direction, en fait. Disons que c'est en face, disons que c'est en face, disons-nous bien que c'est en face. Ok. Pas censé avoir un point d'un... Ça veut dire, en gros, soit il faut attendre quand il fait nuit. J'ai peut-être mal tracé le chemin. Celui-là, celui-là, là. Regarde celui-là, là. Pourquoi elle a parlé de temps? Peut-être que je me fourvoie. Dans la montagne, je compte que c'est scripté, j'ai dû m'ennuyer, regarde là-bas. Enfin, je veux dire, regarde la direction de la montagne, en fait, ça se voit là, on voit le haut de la montagne. Alors pourquoi il me va... Oh, je suis pas passé par là, je crois. Je suis pas passé par là, je crois. J'en avais peut-être manqué un. Je pensais pas qu'avec un petit lance-pierre, j'aurais pu découvrir tout ça. C'est bon, ça. No surrender. No surrender, no. Voilà. La montagne. Et comme par hasard, les mecs qui étaient devant, ils sont partis. Comme par hasard, j'arrivais. Ah bah alors, ah bah c'est bon, bah c'est génial. Voilà, c'était ça le petit secret. Ouais, ouais, exactement. Allez hop, j'avais déjà cramé dans la montagne. Il y avait un truc, hein. J'avais déjà cramé parce que j'avais vu la porte. J'ai dit, ah, c'est sûr, on va aller là-bas. Donc à moins qu'ils soient encore là, du coup qu'il faille attendre le soir que tout le monde soit à la cérémonie, on va rentrer ici. Voilà, en plus j'avais des trucs qui brillaient à l'intérieur. Oulala, bonjour, bonjour. Vache, la meuf, c'est une voleuse, elle se trouve vers des portes fermées. Oh. Il me tue le psy. Un coffre. Eh ben oui, je peux pas l'ouvrir. Évidemment, c'est tellement bien. T'es une bête, cet enfant. Merci pour le follow et bienvenue à toi, la Ponita. Salut. Salut, salut. Alors, attends, on va aller voir ton profil, la Ponita. Est-ce que tu es streamer? Là, bon, je pense que c'est peut-être une meuf. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Affiché. Salut, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Moi, ça va bien, merci. Merci beaucoup. Bah, bienvenue à toi. Du coup, je suppose que t'es gameuse, t'aimes quoi comme titre de jeu? Tu joues à quoi, tout ça, présente-toi un petit peu, tu vois. Savoir t'es qui, tout ça. Je te remercie encore pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Ça aide le projet, ça aide le projet. Et je sais pas si je t'ai déjà répondu, mais comme je suis un peu affolé dans ma tête, donc oui, ça va, je vais bien. Ça va. Ah ouais? Ah bah lourd. Bah lourd que t'aies découvert mon contenu grâce à FF, du coup. T'es fan de Final Fantasy toi aussi? Ou t'es tombé dessus comme ça au hasard et t'as cliqué dessus parce que bah, t'avais rien d'autre à regarder? Comment t'es tombé dessus aussi surtout? Ça c'est la question. D'accord, ouais t'es multigaming. Mais t'as pas de préférence, genre pour toi un peu un Fortnite, un Street Fighter, un Final Fantasy. C'est pareil. Entre grosses guillemets. Hein. C'est bizarre ça quand même, on dirait une cible. Ça veut dire hein. Ok, donc ça c'était les moulins. D'accord, ah c'est fort. Bah là il sort mardi prochain, le 13 en plus là, donc là c'est vrai que moi aussi je l'attendais parce que j'ai pas pu finir celui sur PSP, tu vois, donc là ça va être pas mal, ça va être plutôt pas mal. Ouais, d'accord, donc en fait les pans de mur comme ça c'est genre... Ah parce que le truc on aura dit des moulins et le 1 en moulin. D'accord, et plus tu vas tomber sur les trucs comme ça, et plus ça va te dire où est-ce que c'est, donc tu vas aller chercher directement les... J'ai préférence pour les RPG, mais j'aime vraiment tout. D'accord, toi tu sais, ouais, moi aussi je suis plus RPG, action RPG, par exemple Kingdom Hearts, tu vois. Je trouve que c'est une licence formidable. Tout ce que je veux dire, je trouve que Kingdom Hearts, pareil, tu vois, bon là j'attends le 4, tu vois, donc c'est une licence formidable. Donc c'est vrai que... Et t'as quoi comme console? PlayStation, Xbox? Qu'est-ce que tu as comme... Qu'as-tu comme console? Sur quoi tu joues? Quelles sont tes plateformes? Comme ça, on saura. Ouais, Kingdom Hearts, c'est quelque chose.
Non, Kingdom Hearts, c'est ok. Ok. Bah moi j'ai la série X, PS5 du coup, pareil. Et pour ta PS5, petite question, standard ou digital? Parce que j'ai eu ce débat-là avec plein de gens, tu vois, donc... En tout cas, c'est cool que ce soit la passion d'FF qui t'est ramenée sur ma chaîne, au moins... Je sais qu'avec toi, le jour où on fera des débats Final Fantasy, tu seras présente et tu auras des arguments. Bah parce que tu sais, il y a des gens qui préfèrent le démat. Tu vois, après, c'est peut-être parce que moi, c'est peut-être moi, entre guillemets, mon âge, tu vois, parce que moi, j'aime trop le hardware, tu vois. Donc moi, je suis vraiment standard, tu vois, pareil, tu vois. Oh, c'est cool, tu vois. Après, moi, franchement, les FF que j'aimerais bien refaire pour vraiment me les avoir dans la tête, c'est FF4, FF5, FF6 et FF9. Parce que je les ai fait il y a trop longtemps, le 4, le 5. Le 6, je crois, je l'ai survolé, j'ai même pas été au bout. Mais je te parle de ça il y a plus de 15 ans, tu vois. Donc là, j'aimerais bien repartir sur quelque chose de concret. Mais faire le 4, le 5, le 6, ouais, et le 9. Je kifferais me les refaire. J'ai pris la S car j'avais pas trouvé la X à l'époque. Sinon, disque, c'est la base. Moi, je suis carrément d'accord avec toi. Moi, après, bon, sur Series X, je suis sur le Game Pass. Hein. Franchement, il y a très peu de jeux. Il y a très très peu de jeux sur Xbox qui ne vont pas être des exclus dans le Game Pass. Donc c'est vrai qu'avec les... Attends, mais là je vais trop loin là. Attends, mais là je vais trop loin, je vais trop loin. En fait, il y avait un truc pour monter tout à l'heure. Bah, elle sait que moi aussi je voulais prendre la série Z juste pour le prix en fait. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est juste pour le prix, autant prendre la console full quality et full config quoi. Je suis timbré, moi, quoi. Je passais devant les mecs tout à l'heure. Oh, c'est peut-être timbré. Je dois être timbré. Timbré, c'est pas possible. Parce que là, c'est là où il y a la tour. Okay. Ouais, mais c'était pour le Game Pass. La S perso. Bah, moi, j'ai pris la série X que pour le Game Pass. Hein. Mais pour avoir quand même, c'est la full config pour jouer en 4K, 60, tout ça, machin, tu vois. Pour pouvoir pousser justement l'appareil à son max, tu vois. Je joue au max. Après, c'est parce que je pouvais me le permettre, tu vois. Sinon, je n'aurais pas acheté, tu vois. C'est parce que c'était là, je pouvais me le permettre et tout. Je passe en magasin comme par hasard. Je dis, bon, bah, voilà, quoi. Et t'as fait tous les FF? Avec les S impossible. Exactement. De fou, malade. Et t'as fait tous les FF? Ou, genre, t'as fait vraiment. Enfin, t'as vraiment fait le 1, le 2, le 4, le 5, le 6, le 7. T'as fait tout le FF? Vraiment? Attends. Attends. Vous là, que je vais t'envoyer une petite commande. Parce que là, vraiment, félicitations. Vraiment là, félicitations. Waouh! Parce que moi, je ne les ai pas tous faits. Je ne les ai pas encore tous faits. Je les connais. Genre, j'ai été à plus de la moitié du jeu ou quoi que ce soit, tu vois. Je les connais, ça, c'est sûr, tu vois. Que ce soit le 4, le 5, tu vois. Je les connais. Mais d'être loin. ah ouais. Vraiment, c'est le 4 avec Bart et tout. Le 4. Le 4 avec Cécile, tout ça, machin, tout ça, là, voilà, tout ça. 5 avec Bart et tout. 6 avec les autres, là. Après, le 7, le 8. Eh bien, c'est quel FF que t'as le plus fait? Et Je petite pensais que question, c'était du pire coup, que t'es ça. tombé sur ma vidéo comment? C'est Ne genre, sois pas t'étais trop sur déçu. YouTube et On est loin j'ai d'être fait le arrivés. 8 au moins. Bah, J'ai toujours été on est plus à l'aise sur le exactement 5. pareil. Le Moi, 8, j'aime les c'est montagnes. celui que je Est-ce que connais tu veux mon quasiment par cœur. numéro? Vas-y. Je connais quasiment J'espère par cœur que le c'est 8. sa première fois en Et puis, montagne. je connais Mais dans quasiment ce par cas, cœur. Vraiment. on va tous devenir C'est immenses. du début et jusqu'... Franchement, je pense que j'ai un doute à partir du moment où les mondes ils se mélangent. Et après, je sais que... Tu Bon vois? sang. Je sais Comment tu peux en sortir? que... Je sais Qu'est-ce que ça veut dire, que... Voilà. presque? Tu vois, Courage. j'ai... Peut-être Ta à partir requête du est CD complète. Ta 3-4, quand requête les est mondes ils se finale. mélangent. J'avoue là, Qu'est-ce que j'ai trouvé j'ai là? oublié, tu Je vois. veux voir le vrai. J'ai un peu de. J'ai un peu Oula! de mal Qu'est-ce à que t'as m'en fait rappeler avec vraiment Dieu? de ouf, tu vois. Quelque chose Mais te jusqu'à la fin parle? du CD Tu es loin 3 de début moi du là. 4. Oh, t'inquiète. J'ai tout dans la tête. J'ai tout dans Tout la peut tête. courir et s'endort aussi en deux secondes. Je pense que même, tu vois. Allez, Oh la faut mer, boire, t'es les bonne amis. fraîche. Exactement ce Et je qu'il me pense qu'il y fallait. a aussi Hé les Hugo, cartes. Où on les a trouver toutes les les cartes, cinq. genre Viens par carte de devant. Laguna, carte de Ward et tout ça, tu vois. Squall, je me rappelle. Laguna, je crois que c'est quand t'arrives à Estar. Zell, c'est sa Là, mère. d'accord. Je Linoa, suis c'est son trempée. père. Trempée comme une Squall, sauce. je me rappelle pas du tout.
Ah ouais, tu bosses sur Facebook? Ah ouais? D'accord, ok. Je pensais que j'avais été suggéré, j'allais dire, ah, YouTube, il fait enfin son taf. Par rapport au hashtag, tout ça, ah, YouTube, il fait son taf. Mais non! Mais non! J'ai sculpté tout D'accord. ça. Ouais, donc ça veut dire que c'est Facebook qui t'a enfin, qui t'a suggéré par rapport à ce que tu regardais, du coup. Chien, Bah, c'est c'est un cool, ça veut chien, dire que un ça fait chien. au moins un N'aie pas tout petit peur. peu le taf. On a fait Je tout ce jure, c'est chemin, mon carré. C'est petit. carré de ouf. Eh bien, Mais oui, merci à vous. t'inquiète. Ouais, donc les cartes, je m'en rappelle pas tous. Et au Pas... passage, il nous attaquera Merci, pas. monsieur. Merci, Oh, monsieur et Stegen, c'est je une te ramènerai chienne ta par chaîne. un loup. Mais ouais. Ne boucle pas Et un loup avec un sentiment bien tu important penses et quoi tout. de Ouais? FF7 Mais Remake? j'ai encore. C'est bien parce que tu sais, j'ai des gens qui aiment pas du tout parce que. Mais ils ont rallongé le jeu. Et kakakakakaka. Écoutez, Midgar nanani c'est le nanana. chien Ouais, du monsieur. moi je suis pas Notre vraiment Gotham. d'accord. Moi je trouve que j'ai pas encore fait Requiem. Gotham Knight? C'est bien Gotham Knight, franchement. Franchement, FF7, c'est. C'est un classique, hein. Pour moi aujourd'hui, franchement, c'est un classique. Moi, pour moi, il n'y a même pas. Y a même pas débat, en fait. FF7, c'est un classique, c'est tout. On pourra dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut. Mais le jeu, il a rapporté tellement à son époque. Moi, perso. Voilà, tu vois. D'accord. Et tu penses quoi du gameplay, Merde, alors? on devrait pas Est-ce l'aider. C'est ce que. que font les. Est-ce que. D'accord. Est-ce que. Il y avait peut-être une. Bah, franchement, je pense à un truc, mais si c'est ça, c'est vraiment tordu. Ah, c'est ça. C'est une C'est vraie illusion de tordu, mais cette tour. c'est Mais bien j'espère que trouvé. les gens. Elle sera Mais la forcément FMZ, comment ils vont reconnaissante. accrocher? Enfermera Ah les ouais, loups non, dans mais. le Ah coffre. bah, parce Ne que là, t'inquiète Crisis pas. Core, Tu es deux femmes on est entre fortes. le remake et le remaster. Donc là, vraiment, c'est très très fort. C'est vraiment hyper fort. Il est trop drôle. Moi, franchement, le Tout Crisis le temps. Core. Mais moi, je pense que si là, je Bon, fais le Crisis ouais. Core, Je vais je ouvrir vais la porte. vouloir refaire le FF Réunion. Parce que, enfin, le FF Remake. Parce qu'en fait, du coup, je pense qu'ils vont changer la trame scénaristique. Je ferai une vidéo sur Et ça, ben c'est d'ailleurs, cool. Alors voilà notre sur ce que sujet je pense commun. qu'ils vont changer. Tu l'as. Et je pense même savoir à quel moment ils comptent changer. Je pense savoir à quel moment ils comptent changer, tu vois. Et tout Est-ce se passera que bien. Et si tu jamais te rappelles il. dans le C'est mieux 7, qu'il meure, c'est toi que ça peut arriver. quand t'es avec Après Cloud, tout, je vais et essayer. quand t'es avec Tu vois, Cloud, et tu sais, genre, essayer, je ne il peux y a pas toujours. plusieurs lui sur l'écran, et genre, tu sais, il va dans chaque souvenir un peu, tu vois ce que je veux dire? Fais, Je sais la pas si tu chair te a rappelles de cédé, ça. tu as surmonté ta Et du coup, en peur, fait, moi, tes il se cheveux rend blancs compte de sont vraiment beaux. de qui On y il va? est. Et qu'il se rend compte qu'il est Non, juste un. t'attends. Finalement, Yann je sais aura pas si tu te peut-être rappelles de ce raison. moment-là dans Tu ne FF7. voudrais pas rêver. Bah, tu vois, je pense que. Je sais plus dans quelle partie du jeu ou c'est après quoi. Franchement, j'ai oublié. Mais moi, c'est cette partie-là, à mon avis. Mais de toute façon, mais quand je vais faire ma vidéo, je pense que. Je retrouverai ce moment-là où je pense que même que je me referai FF7. En fait. Je pense que je vais lancer un stream là. Enfin, pas peut-être là. Je pense que après le Réunion. Je pense Assurez-vous que tout se que. passe Je bien. pense que Allez, après maintenant, le. entre Après nous, là, je sans vais me refaire aucun FF7. secret Parce mécontent, que je et sais que c'est à retournerons partir vivre de là ici, qu'ils vont changer, tu quelque vois. part. Ok. Ok. Ouais, c'est la deuxième partie, mais. Mais je sais pas exactement quand est-ce que ça intervient. Faudrait que je me remate un gameplay, en fait. Mais encore mieux, je pense que je vais me le refaire. Comme ça, je l'aurai bien en tête quand je vais faire la vidéo par rapport au remake. Ça me fait bizarre de faire Midgar On monte. genre en 2 heures, tu vois. Et après, tu sors. Ça me fait trop bizarre. On a passé 30 heures dans Midgar, franchement, voilà quoi. Ça me fait trop bizarre de passer 1 heure ou deux, de la voir de loin et partir. Oh là là, ça me fait trop Descends bizarre. prudemment. Ça me fait Plutôt. trop chelou en vrai. Je pense que j'aurais dû attendre. Ah, je peux pas tuer des soldats, je peux pas me faire repérer. D'accord, génial. Et attends, tu sais quoi, en fait, ça me perturbe. Faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir, faut que j'aille voir. Attends, pousse. Voilà. Parce que FF, c'est la vie. En fait, je pense que tu vois de quelle scène je te parle. Et je pense que c'est là qu'ils vont tout réécrire. Parce que je crois qu'après ça, genre, peut-être qu'il va se rendre compte que. Tu vois? Ouais, je crois que c'est ça. C'est exactement ça. Ah, mais il y a un coffre là. Moi, je veux le coffre. Mais je crois qu'en fait. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Mais je crois qu'en fait, de toute façon, y a moyen qu'il change ça vite. Hein. Puis j'espère qu'ils vont. Parce que
Je crois que c'était pas vraiment clair en fait pour eux, même je pense, tu vois, dans FF, tu vois. Ouais, mais en fait le jeu il a bugué, genre, donc voilà. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça, hein. Donc c'est vrai que moi ça me... Ils vont tout refaire en mieux. Bah en fait je pense qu'ils vont pas tuer Aerith et que c'est Zack qui va mourir en fait. Je pense que Zack ils vont pas le faire mourir. Pourquoi c'était L'enfant sait. compliqué, excuse-moi, pardon. Ouais, mais en fait si le jeu lui-même il bug, en fait ça peut pas le faire. Comment ça? Perdu Une mouche de fumée? à quel Je dois moment? vérifier. Bah moi en fait là où j'étais perdu c'était vraiment plus de me dire c'était vraiment moi avec le vrai Cloud. Ah oui d'accord. Ouais. Bah en fait il n'y a pas de vrai Cloud vu que le vrai Cloud en fait c'est Zack. Enfin tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de vrai Cloud finalement tu vois. Donc en fait là je me demande comment ils L'enfant vont sait. donner vie en fait. Parce qu'on sait que c'est un clone tu vois. On sait que c'est un clone, donc du coup, en fait, le truc, c'est de savoir, c'est... Parce que lui, il était fait... Enfin, c'est pour ça qu'il est si sensible au gène de Genova et tout, tu vois. C'est parce que c'est un clone. Tu vois. Elle vient d'où? Je pense qu'ils vont le garder en mode soldat classique. Wouhou! Il m'a scarpé direct. Mais je vais pas l'envoyer plus loin, en fait, lui. Et comment je fais pour le coffre, en fait? Ah si, en fait, il faut que je l'envoie là-bas. Faut que je l'envoie là. Voilà. Ben moi franchement j'ai grave hâte de fou. Fumée? Bah rien que C'est là quoi ça? qu'avec. Enfin rien qu'avec le réunion déjà j'ai hâte. Tu vois ce que je veux dire? J'ai hâte de fou malade. Alors quand il y aura le Rebirth là en décembre 2023 là je serai vraiment impatient genre. Moi je suis pressé de voir comment ils vont faire et surtout le combat de fin. Je suis pressé de voir le combat de fin. Avec la musique. Oh là là. Oh, Karim! Oh, ça va, ça va. Ah, c'est terminé, c'est terminé. Eh, ils ont couché tout le monde à cause de ça. C'est mort, ils ont traumatisé des gens. Eh, moi, toute mon enfance, cette chanson-là, je l'avais dans la tête. Je pensais à faire des instrus carrément, reprendre, ressembler, faire une instruée, rap avec. Franchement, ce son-là, est-ce que t'as déjà écouté la version orchestrale avec un orchestre, orchestral, orchestre, ouais, forcément. Parce qu'il y a une version là, je suis tombé dessus, je crois, il y a 6 mois, 8 mois, je Trouve mon crois. travail. Oh, laisse tomber, une dinguerie. Voilà, de matériaux. Eh, la même. Franchement, la même de ouf. Franchement, FF, c'est vraiment la vie. Hein. C'est vraiment la Reste vie. Hein. vigilant. FF, c'est la vie de Sont ouf. très restés colonies. Alors, On a besoin PS, d'eux. je suis pas trop opéra. Ah, moi non plus, je suis pas trop opéra, mais franchement, Nobuo Uematsu, là, c'est... Mais moi, c'était mon enfance de ouf. C'est mon enfance de fou, malade. C'est grave mon enfance, donc franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. En vrai, c'est Pourquoi vraiment tes approbations, ce incroyable. petit? Au fait, au passage, juste, Pas si tu encore. connais d'autres fans de FF qui On sont... continue. N'hésite pas à faire grossir la chaîne, parce Tout que va bien? on est en chien de. Je suis On est en désolée, chien mais beaucoup trop risqué. de Mais followers. merci, Déjà, j'y suis je suis venue. très Là, étonné que tu sois je tombé suis sur ma juste vidéo, mais bon, c'est bien. le Mais plus bon, si tu connais des gens, n'hésite de pas à ma partager, chaîne. parce qu'on est en chien de followers. Je te rassure. Parce que YouTube, là, il veut pas me mettre en avant. YouTube, il a pas envie de me mettre en avant. Donc, je profite pour faire un peu ma pub comme ça, quand il y a des gens sympathiques comme toi, tu vois, qui. Tu vous venez. Parce qu'en fait, y a rien qui te force à venir sur Twitch, tu vois, mais c'est peut-être la curiosité. Je t'ai dit, je connais beaucoup de monde. Mais personne aime. Ah ouais, ils aiment quoi, les gens? Eh ben, s'ils aiment les jeux vidéo, n'hésite pas à leur partager ma chaîne. Petit abonnement, ça me ferait toujours plaisir. Parce que là, on est en chien de. On est en Tu m'as chien tout de. Non, non, harcelé. mais ils aiment quoi, les gens? Parce que moi aussi, je connais beaucoup de gens. Mais bon, après, c'est parce que moi j'ai des potes qui sont fans et tout, tu vois. Mais je connais beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de. Je vais donner de la force. Bah, Que je te déjà, donne. je veux dire, déjà, juste, le fait que tu sois. Tu vois, en fait, moi, ce que je trouve ouf. Moi, ce que je trouve ouf. Ouais, c'est enfin, tout ce que je déteste, moi aussi, t'inquiète. C'est tout ce que. Enfin, pas que je déteste, tu vois, mais bon, voilà. C'est pas mon délire. Donc, ouais. Ouais. Je vois ce que tu veux dire.
Je vois quel genre de personne, quel genre. Moi aussi, j'ai pas beaucoup de gamers dans mon entourage qui sont après FPS. RPG, JRPG, tout ça. Lui, il voit rien, lui. Lui a son casque. Blermi, il voit rien. Ok, mais moi, il va me voir, moi. Ah non. J'allais dire, si, il voit pas le feu, mais il me voit, c'est drôle. Bah. Je connais pas du tout. C'est quoi comme type de jeu? Bon, RPG, je suppose, mais quel type de RPG? Action RPG? Mais en fait, il y a des coffres que je vais récupérer, en fait. Avant de me casser, c'est ça, en fait, que je. Genre là, pareil, si je me fais repérer, je suis mort. C'est ça le jazz. RPG grec. Ok. Type action RPG ou type RPG tour par tour? D'accord. Sur quelle plateforme? Sur quelle plateforme t'as ce jeu-là? Je te comprends, moi aussi je suis très jeu solo. Hein. Je suis pas du tout jeu multi ou quoi que ce soit. Pas je déteste, hein. Ok, d'accord. C'est-à-dire que tu peux même pas les tuer avec en mode silencieux, tout ça. C'est chiant. Parce que je peux même pas les tuer en fait. C'est ça le problème dans l'histoire. Je peux pas les tuer. Bah moi pour me défouler, je suis plus Virtue Fighting, tu vois, en mode Street, Tekken, tu vois, Soul Calibur. C'est vraiment plus ça qui me permet de me défouler. Mais encore, tu vois, c'est toujours vis-à-vis des jeux que je connais bien depuis des années. Vis-à-vis de... Ah ouais, d'accord, ok. Ok, donc là, ça t'amène là. Ah, Soul Calibur, hein. La base. La base. La base de fou. Mais en fait, lui, il bouge pas, lui, hein. C'est quoi ça? J'ai mal dosé. Street aussi arcade. Attends, bouge pas, regarde. C'est quoi, regarde? On va aller plus loin que ça encore. Parce que là, t'as dit un truc de ouf. Donc en fait, j'ai oublié de te montrer un truc de ouf. Attends. Parce que tout le monde sait qu'il y a. S'il y a un jeu, faut pas trop me chauffer, c'est Street Fighter. Deux secondes. On enlève la magie du fond vert. Attends. Ah, regarde. Toi. Je pioche le premier jeu que je tire, c'est celui-là. Tu vois? Et j'ai pas cherché, hein. J'ai pas cherché, hein. Je n'ai pas cherché. J'ai tiré, j'ai pris le premier jeu sans regarder. Parce que je savais qu'il était en haut. C'était obligé. Eh, franchement. Ça là. Ça là. Ah là 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 là. J'ai ma Super NES qui fonctionne très bien encore. Bah 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 bah. Sala! 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 Oh. Pardon, excuse-moi. En fait, ceux qui me connaissent, ils savent que. Eh, quand tu dis Street 2, je m'affole trop vite. Je m'affole trop vite. Ah, Street 2, c'est quelque chose. Hein. Ah, Street Fighter 2, franchement. C'est vraiment quelque chose. Hein. Franchement. Ah ouais, Street 2, c'est Une nuage vraiment un de bail. Hein. fumée, regardez. Comment ça, d'autres? Le seul, c'est lui. C'est toi. Mais non, ah ouais, c'était pas le bon bouton! Ah, Street Fighter, c'est vraiment un délire. Hein. Bah, 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 bah! Ah ouais, non. Là, t'as dit un vrai nom, là. Ah là! Pas déjà que je respecte tous les gens, mais là, toi, je te respecte. Toi, vraiment, tu connais les vrais bails. Toi, tu connais les vrais bails. C'est un délire. T'as dit. En une petite conversation. T'as parlé de trop de jeux, ils sont trop importants pour moi. Ça, c'est mort. Ah ouais, là, bah, 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 t'as dit Street, t'as dit Sulka. Non, non, t'as dit trop de blaze. T'as dit trop de blaze. C'est. Respect. Respect, respect, respect de ouf. T'as fait tous les FF. Bah, 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 un monstre. Vas-y, glisse, glisse. Y a R, y a R, y a R, y a R. Ah, elle s'est fait repérer. Ah ouais, Street c'est un vrai bail, un vrai jeu. Moi, sur ça, absolument rien à dire. Bah ouais, mais en fait, c'est parce que ça a été la base de tout, en fait, tout ça, tu vois. Donc, forcément, D'accord, j'en ai depuis ce fait soir, énormément, mais sacrilège. énormément. Ah, Mort ça. appelle la parole. Bah moi, je me rappelle encore, tu vois, l'époque du Magic Swap. Tu vois ce que je veux dire? L'époque du Magic Swap sur la PS2, c'était une époque magnifique. Franchement, le Magic Swap sur la PS2, je pense que c'était la meilleure invention. Elle vient d'où? Le Magic Swap là, à l'époque, un délire, hein. Je pense que je vais me faire avoir. Je vais me faire cramer, c'est sûr. Ah non, je me suis pas fait cramer. Ouh!
C'est chaud là. Ah ouais. Ah, franchement, cette époque-là, c'était vraiment quelque chose. Donc lui, il y a du feu derrière lui, boum. Dites que blanc et bleu. Ah, tu connais! Tu connais, tu connais, tu connais! L'autre, il va me. L'autre, il va me. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, c'est sûr. Eh, franchement, le Magic Swap. Même, il fallait enlever, tu sais, le petit truc devant, là. Ah ouais. Non, mais laisse tomber. Laisse tomber. T'es incroyable. Le Magic Swap. Franchement, ça a été la mais. Le Magic Swap et le Freeloader, ça a été les meilleures inventions pour le gaming. Et il y en a tellement qui connaîtront jamais ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les jeux, ils sont tous dézonés, tout ça, nanani, tu vois. Mais il y a des gens, ils connaîtront jamais ce truc-là. Parce que maintenant, les jeux, ils sortent partout pareil, en même temps. Mais avant, il y a beaucoup de gens qui savent pas ça. Hein? Non, j'ai mis trop Ces de temps, bruits, je suis c'est mort. peut-être des uns. Je suis Je vais mort. voir. Je suis mort. Un, deux, je suis mort. C'était sûr. En fait, je suis pas assez réactif. Magic Swap, Freeloader, ça me déprime. Hein. Parce que vraiment, ça c'était vraiment des trucs. Ah ouais. C'est. Ah, mais parce que je sais que il y a personne, hormis ceux qui ont commis, qui ont connu ce truc-là, il y a personne qui pourra revivre ça, en fait. Il y a absolument personne, en fait. Revivre ce truc-là, ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Revivre ça, non, c'est compliqué. Ah ouais. Oui, ce sera pas la même époque, on voit plus les mêmes choses. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que pour moi, je dis que. Bah. En fait, l'époque, ça reste où c'est, je suis d'accord. Qui a dit ça? Qui a vu la fumée et qui a bougé? C'est lui, là. En fait, je pense que je suis un peu. Pas nostalgique, mais en fait, je suis un peu déçu des jeux d'aujourd'hui, je pense. Parce qu'on n'aura jamais. On n'aura plus, en fait, autant de diversité dans le jeu vidéo, tu vois. Et pour moi, ça. C'est essentiel. Trop tard. En fait, on n'aura plus autant de choses qu'à l'époque, en fait. Maintenant, tout est assez conventionnel, similaire, tu vois. Donc, effectivement. Ah ouais. Mais attends. On n'aura pas autant de diversité. On n'aura plus autant de kiff sur. Tu sais, en fait, t'sais, je vois des jeux, je me dis, c'est incroyable. Je me dis, ouah, graphiquement, c'est incroyable. Ouais, truc, c'est incroyable. Mais, hey, mais quand on avait les Mega Man X, tout ça, c'était pas la même époque. C'était pas pareil en fait, parce que chaque jeu avait vraiment une âme. Et aujourd'hui, en fait, on est assez. On a vraiment genre généralisé en fait ce truc-là. Je trouve ça un peu naze en fait. Je trouve ça naze en fait de comment ça a été fait tout ça aujourd'hui, tu vois. Y a rien à faire lui pour l'éloigner. Tu veux pas te casser toi? En fait, on t'a rien demandé. Regarde, tous les jeux d'action-aventure, ils sont un peu pareils, ils ont un peu le même type, tu vois. Alors que tu prenais un Megaman, un Mario, un truc et un truc, tu vois. C'est pas pareil. Mais en fait, frérot, en fait, tu vois pas la fumée derrière toi. Tu sens pas qu'il y a de la fumée derrière toi. Tu vas me dire que c'est lui qui descend. Okay. Ouais, donc voilà. Mais j'aimerais bien avoir, tu vois, le retour d'un Megaman, tu vois. Parce que là, tu sais, avec Metroid. Mais en fait, je comprends pas. Parce qu'en fait, lui, il n'y a rien moyen de faire, en fait. Ouais, comme ils ont fait avec. Comme ils ont fait avec. Avec Metroid. C'est bien. Alors, c'est quoi? Faut que je le kill, c'est ça? C'est quoi, les trucs de lui? Ah, donc en fait, faut que je les fasse bouger. Pour passer, en fait. Il bougera pas, lui. Bah, pas de soucis. Bah, merci beaucoup du passage. Merci beaucoup du follow. Je suppose qu'en plus, tu as dû mettre un petit like sur la vidéo, tout ça, donc je te remercie vraiment beaucoup. Et pas de soucis. À la prochaine, et merci à toi. Merci. Tchuss. Comme dirait Tidus, see you next time. Je kiffe là, l'infiltration comme ça là. Sortez-nous un Metal Gear, wesh. Ce truc là très vite. À toi de le découvrir. Exactement. Voilà. C'est bien fait le jeu, hein. Franchement. Pourplement. Tel tel père. père. T'as compris ou pas? Voilà ce qu'on va faire. Bim bam boum. Voilà. Tu en penses quoi? Exactement. Dans cette ambiance-là, elle est terrible, hein. Elle est terrible de ouf.
Il mérite son jeu de l'année, lui, hein. Il mérite son jeu de l'année. À part pour le gameplay, franchement, il mérite son jeu de l'année. C'est terrible. La peste. Froid. J'ai peur. Je kiffe l'ambiance, hein. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. C'est très silencieux, hein. C'est très, très silencieux, hein. C'est très marqué, hein. On dirait un peu l'endroit où, qu'il a rêvé, non? On dirait un peu cet endroit-là, là. La première Mac. Oui, parce que c'est pas ici. Tu peux rien faire, tu peux pas courir, ça veut dire soit chapitre suivant, soit... Maintenant, c'est à l'enfant. On dirait presque la chambre à Hugo, en fait. Parce que c'est là qu'ils vont comprendre que le psy va peut-être mourir. Parce que pour moi, Requiem, c'est la mort, hein, donc... Je trouve que c'est une forme assez bizarre. Ah d'accord, c'est des quilles. Ok. Ok. Je pense que pour sauver le monde, il faut qu'il se sacrifie. Comme toi et moi et toi. Eh ouais. Alors, ça serait tellement cool ça aussi. Parce que, exactement. Bah, c'est pas la même époque, hein, mon grand. Donc bon, rencontrer ces gens-là, ça aurait été un peu compliqué, je pense. Hein. Bah, par contre, ça, voilà. Là, ce que je trouve dommage, c'est ça. C'est de voir marcher ces bêtes. J'aurais aimé ne pas être obligé de rester bloqué comme ça, là, c'est relou. Ou ça aurait pu être toi. Là, ils vont apprendre qu'il faut sacrifier... Eh, je suis sûr qu'il faut sacrifier le petit. Voilà. Enfin. Eh oui. Ok. Oh là là. Franchement, ça, c'est un peu embêtant où ils te forcent à marcher. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. J'avoue, là, ça me fait pas kiffer, là. Incroyable, c'est ça. Ok, ça c'est vraiment une secte, hein. C'est un truc de ouf, hein. C'est une secte de ouf. Et hop là, on se cassoute. Ok, ça a l'air tellement propre. Très bonne transition, très bonne transition. Je trouve qu'ils ont bien fait la petite transition. Genre, on monte tout ça dans la nuit. Bon, on attend le début du chapitre, j'enregistre et puis après. On arrête là pour aujourd'hui, les amis. Et voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait une bonne petite redécouverte. Là, on est bien à fond dedans. On va le finir assez vite. Après, on va finir Somerville, tout ça. Faut que je rattaque God of War. J'espère que le 13, je pourrai mettre la main sur FF7. FF7 Credit Core Réunion. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes d'être passés. Pour les lurks, pour la conversation, merci aux nouveaux abonnés, tout ça. En tout cas, je sais pas si je reviens tout à l'heure, je pense pas, parce qu'il faut peut-être que je me pose aussi, parce que depuis très tôt, je suis debout, donc je sais pas si je vais revenir, je ne pense pas. En tout cas, merci à tous, pour les lurks, pour les visites, pour les follow, pour tout ça, on connaît, on est ensemble, aussi pour les subs. Je vous remercie vraiment à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente fin de journée, et on se dit peut-être à tout à l'heure. Lago! Un clone en fait finalement.